Ele ainda não está a ouvir nada, ele ainda não está a ouvir nada. He's not listening, guys. So, Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Okay, let's try again. So, this side will do with me, and that side is with Rita. Let's see who's stronger. Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Sabem como é que somos mais fortes? Do you know how we are stronger? Todos juntos! Todos, todos, todos! I want to see everybody saying todos! Todos, todos! Todos, 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 todos! So, Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Ok, let's see. He's there! He's there! Look! Esta es la juventud del Papa. 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 Bem-vindo, Santo Padre. Bienvenido. Bienvenue. Welcome. Benvenuti. And everybody sing with me, Lord. Não estamos a ouvir nada, o Papa não está a ouvir nada. Um, dois, três. Bem-vindo! Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco. Esta es a juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Vamos cantar todos juntos. Viva o Papa Francisco! Este é novo! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Clap! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Again, again! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! Claps in the air! Viva o Papa Francisco! Viva o Papa Francisco! He's arriving! Everybody down! Everybody down! Everybody down with us! Are you ready? Everybody down! Hey, viva o Papa Francisco! 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 Está ali o Papa, todos a assinar! Esta é a juventude del Papa! 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 Vamos todos a pedir um pouco de honor, sabes o que tens a dizer? Um, bem-vindo! Um, dois, três... Bem-vindo! Um, dois, três... Bem-vindo! Um, dois, três! Bem-vindo! Adeus, Papa Francisco! Ele está a chegar, ele está a chegar! Que alegria imensa podemos... Everybody, it's starting there! E viva o Papa! La, 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 la! E viva o Papa! La, 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 la! E viva o Papa! La, 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 la. E viva o Papa. La, 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 he's arriving. Let's go. Vocês sabem o hino? Vamos cantar o hino em lá, 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 para que todos compreendam. Um, dois, três e... La, 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 la. Não é nada, não é nada. Estou a ouvir. La, la, la.
quero ver seu saque. Lá, lá, lá. Adiós, adiós a todos. A recebo o Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans ce direct depuis Lisbonne. Les 37e JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, touche à leur fin. Delphine Allaire avec vous pour vous accompagner ce soir, 16h16 à Lisbonne, 17h16 à Rome. Nous allons vivre la dernière étape de ce 42e voyage apostolique du pape François et de ses 37e JMJ, à savoir la rencontre du pape avec tous les volontaires qui ont œuvré à faire de ces JMJ un succès. Un succès spirituel, humain, social, de logistique, tout. Cela a été rendu possible par les 25 000 volontaires internationaux et portugais de ces JMJ. Le pape François va donc prendre la parole à l'occasion d'un discours. Ce sera son dernier en sol lisboète et portugais avant de s'envoler pour Rome ce soir. Je salue chaleureusement nos auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent, en particulier EWN TV, les téléspectateurs de Celles et Lumières TV également, Radio Espérance et le groupe Radio RCA, ainsi que tous les internautes sur la chaîne YouTube Vatican News ou le direct Facebook. La joie, la danse de ces volontaires très très nombreux sur le Passeio Marítimo de Algés, près des quais d'Algés, promenade pleine pittoresque au bord du fleuve lisboète du Tage. C'est ici que le pape va rencontrer les milliers de volontaires de ces JMJ. Le pape François qui est déjà arrivé sur place et qui effectue des tours de papa mobile pour saluer tous ces jeunes qui viennent, sachons-le, ces volontaires de plus de 150 pays différents du monde. Un large panel de nationalités représentées que l'on peut voir à travers la marée de drapeaux des 5 continents.
pour ceux qui nous suivent avec les images. L'âge moyen de ces jeunes volontaires est à peu près de 28 ans. Et ce sont en majorité des femmes, des jeunes femmes, pour deux tiers de ces volontaires. Les JMJ se sont toujours construites grâce à cette collaboration très fructueuse et très précieuse des volontaires au JMJ, qui, par le don de leur temps, gratuitement donnent à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes la possibilité de participer à cette expérience unique. C'est bien sûr grâce à eux. Un volontaire au JMJ, c'est quelqu'un bien sûr qui a conscience d'avoir une mission, une offre gratuite et généreuse. Le pape François est arrivé sur l'estrade sous les applaudissements de la foule, sous une très belle icône du Christ. Aux côtés du pape François sur l'estrade, le cardinal irlando-américain Kevin Farrell, qui est aussi l'une des chevilles ouvrières des JMJ en tant que préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. De l'autre, le patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clemente. Nous voyons cette grande esplanade du Paseo Maritimo de Algès, le passage maritime de Algès, traduit en français. Et ces milliers de jeunes qui finalement vivent un peu à la première personne le thème de ces JMJ, tiré de l'évangile de Luc, je vous le rappelle. Marie se leva et s'en alla en hâte. Se lever, s'en aller, servir les autres et trouver la joie dans ce service. C'est le reflet de cette jeunesse catholique en cet été 2023 au Portugal. Nous assistons à la projection d'une vidéo sur les JMJ, sur cette estrade. Le pape François semble intéressé et content de voir cette musique, ces danses, chants de ces jeunes, lui qui appelle très souvent les jeunes à faire du bruit, à mettre la pagaille dans le bon sens du terme naturellement. Lors d'une précédente rencontre avec les volontaires des JMJ, c'était à Cracovie en 2016, le pape rappelait que dans le volontariat, chaque service est important, même le plus simple. Je vous laisse avec la vidéo sur les JMJ. De conhecer outras pessoas que têm histórias de vida muito diferentes das nossas. É uma missão que eu escolhi e para aumentar mais a minha fé. Eu senti uma chamada para servir tantíssimos jovens que fazem parte de uma igreja que é um pouco em cambiamento. I wanted to give something back. Assim como Cristo morreu por nós, então nós também temos que dar
temos que dar o nosso esforço, o nosso apoio, o nosso amor. Em cada peregrino, em cada voluntário que eu vejo aqui, eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Então isso me aproxima ainda muito mais dele. Em 82, estava aqui no Parque Eduardo VII e João Paulo II falou aos jovens. Eu tinha 21 anos e foi no momento que mudou a minha vida. Por isso, também estar aqui, para mim, tem um significado muito forte. Espero regressar a México sendo uma melhor pessoa, uma melhor versão de mim, mais agradecida e feliz com a vida. A JMJ de Lisboa 2023 manifesta que os jovens temos uma parte muito importante na Igreja e que está viva e que todos somos parte dela. Todos vão ouvir e nós somos. Esta é a juventude do Papa. Vivo Papa! Queridos jóvenes, quisiera ser claro con ustedes. En la Iglesia hay espacio para todos. Dios nos ama como somos, no como quisiéramos ser o como la sociedad quisiera que seamos, como somos. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo junto a todos. Dios nos ama. Gracias. Nous allons entendre différents témoignages, trois témoignages de trois volontaires. Saint-Père, mon nom est Chiara. J'ai vécu l'expérience unique de la foi que partager donne une joie incroyable et que la vie avec Jésus est une aventure. Que ce soit dans le travail avec les volontaires, dans les rencontres avec les pèlerins ou pendant la messe, j'ai pu ressentir cette joie profonde que rien ni personne n'avait pu me donner jusqu'à présent. Et que depuis plusieurs années, je cherchais parfois consciemment, parfois inconsciemment. C'est une joie qui ne peut être assimilée à la jouissance que l'on trouve dans le monde. C'est le sentiment d'être complètement aimé et accepté par Dieu et d'être dans une église vivante et jeune qui, par exemple, attire au JMJ des millions de jeunes qui ont déjà fait l'expérience de cet amour de Dieu ou qu'ils recherchent. Malgré les moments de solitude, de doute et de mal du pays, il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour moi et qui, avant que je ne me rende compte de mon mal-être, a pris soin de moi comme dans une famille, l'Église. Le deuxième point dont je me suis rendu compte est que la vie avec Dieu n'est pas ennuyeuse. C'est une pure aventure. Dieu a de grands projets pour moi et pour vous, pour chacun de nous. Et grâce à son amour vrai, profond et sincère, Dieu ne veut que le meilleur pour nous. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que j'irais à Lisbonne, loin de mon environnement familial, loin de mes amis, je n'aurais jamais pensé que c'était possible, car j'avais incroyablement peur. Mais Jésus m'a montré pendant mon séjour à Lisbonne que même le plus petit oui peut changer ma vie de manière décisive. Si j'ai juste un peu de foi dans les desseins d'amour de Dieu. Pendant les préparatifs au JMJ, j'ai pu reconnaître Jésus dans mon ministère en donnant aux gens l'occasion de le rencontrer. Chacun des pèlerins que j'ai aidés pourrait être l'un de ceux dont la vie a été changée à jamais parce qu'ils ont fait l'expérience de l'amour fascinant de Dieu au JMJ. Même dans la vie communautaire avec les autres volontaires ou dans l'adoration et la Sainte Messe,
il y avait des moments où l'on pouvait sentir la présence de Jésus. Enfin, pendant les JMJ, des personnes du monde entier et donc de cultures très différentes se sont rencontrées. Mais toutes croyaient en un seul Dieu et recherchaient son amour. Comme j'avais déjà aidé à un mouvement de jeunesse chrétien avant d'être bénévole au JMJ, et que j'étais fascinée par la joie et l'amour de Dieu, je continuerai à le faire encore plus à l'avenir. Je veux permettre à autant de jeunes que possible de faire cette expérience de l'amour et de la joie de Dieu qui changera leur vie, comme elle a changé la mienne. Chiara, une jeune Allemande de 18 ans, qui vient saluer le pape François et le remercier, le pape qui sourit à l'écoute de ses paroles. Nous allons entendre à présent Francisco. Francisco, un Portugais de 24 ans. Ces journées mondiales de la jeunesse ont été pour moi un véritable voyage, un chemin, un pèlerinage que j'ai entrepris dès le premier jour où j'ai accepté le défi d'y participer. 335 jours avant que tout ne se passe et qui m'amène ici aujourd'hui avec un an de plus, avec des ampoules aux pieds, les pieds fatigués, mais avec la même énergie, la même volonté et avec une certitude. C'est avec un cœur plus comblé encore que je suis ici, que nous sommes ici. Pour beaucoup ici, ce fut un long voyage de travail bénévole. Pour moi, mon premier emploi sérieux dans la direction pastorale des JMJ, pour faire en sorte que les journées aient lieu. Sur le plan personnel, ce fut une expérience de grande croissance intérieure au cours de laquelle j'ai appris à mieux me connaître, à me réconcilier avec moi-même, et même si le chemin est encore long, à plonger plus profondément, à découvrir qui je suis. Au cours de ma vie et en grandissant, déjà conscient du bien que cela me faisait d'aider les autres, le bénévolat est devenu une partie de ma vie. Qu'il s'agisse d'encourager les enfants, de livrer la nourriture aux nécessiteux, de tenir compagnie aux personnes âgées, de peindre des murs, j'ai eu l'occasion d'expérimenter un peu de tout et plus encore, de laisser Dieu vivre à chaque instant. Et c'est alors qu'une présence plus grande à mes côtés a commencé à prendre tout son sens. Et j'ai commencé à sentir Jésus dans les sourires, dans les récits de vie, dans les chansons, en souvenir du passé, dans le besoin de compagnie et dans l'expérience de l'abandon. Tout ce voyage a défini le Francisco que je suis aujourd'hui, et les JMJ n'ont pas fait exception. Hier, à 24 ans, quitter l'université, entrer dans le monde du travail et dans une routine de plus grande responsabilité, l'incertitude de l'avenir était quelque chose que je redoutais. Non seulement je ne me sentais pas préparée, mais il y avait quelque chose en moi qui n'était pas réalisé. Comme si je partais en voyage et que je savais qu'à la maison, j'avais laissé le lit défait. Il y a quelques mois, je ne savais pas ce que c'était, mais aujourd'hui, je peux mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en travaillant au sein du comité local d'organisation des JMJ. Dans les prières et les conversations quotidiennes, j'ai trouvé la paix. Dans la responsabilité d'un autre monde, j'ai trouvé un défi. Dans ma famille, j'ai trouvé l'inspiration. Et dans mes amis d'ici et d'ailleurs, ceux que la vie m'a donné depuis l'enfance et ceux avec qui j'ai travaillé quotidiennement ces derniers mois, j'ai trouvé Jésus. Faire partie de ce voyage m'a apporté des choses que je ne cherchais pas, mais dont j'avais vraiment besoin, en transmettant le projet, la surresponsabilité constante, ce carillon qui sonnait les 100 derniers jours me semble être d'hier. Le tic-tac de chaque jour qui passe m'a rendu agité au réveil, mais maintenant beaucoup de souvenirs, de sourires et de nostalgie s'enuiront. Une ouverture des yeux sur de nouvelles réalités, un renforcement de ma foi basé sur les expériences de ceux qui m'entourent, une véritable amitié dans l'environnement de travail, comme tous les jeunes devraient pouvoir le vivre dans n'importe quelle entreprise. J'ai eu la chance au cours de cette dernière année de préparation des JMJ de rencontrer beaucoup de personnes de tous les coins du monde, des personnes que je peux maintenant avec un large sourire appeler des amis. La beauté de la diversité, les différents visages de l'Église unie dans un but commun, être ensemble, le visage de l'un des plus grands événements du monde, de jeune à jeune, en service de Dieu, avec Marie comme exemple de quelqu'un qui se lève et part en mission, comme nous le faisons tous, avec courage et énergie, en allant à la rencontre de ceux qui ont le plus besoin de nous. Aujourd'hui, à 24 ans, après avoir quitté l'université, être entrée dans le monde du travail et dans une routine de plus grande responsabilité, l'incertitude de l'avenir, cette belle et stimulante incertitude de l'avenir, est passée de la peur à la motivation. Cette motivation restera avec moi et m'aidera chaque jour à faire mon lit et à continuer à apprécier le chemin.
Ce Francisco que j'ai reconnu dans d'autres personnes qui ont partagé avec moi et qui continuent à partager avec moi tristesse et joie de la vie, arrive ici aujourd'hui avec un sentiment de plénitude et un cheminement dans les pas de la foi. Je le dis certainement ici, aujourd'hui, en donnant la parole aux jeunes qui sont ici, je veux être saint. Francisco, portugais de 24 ans, volontaire au comité local d'organisation des JMJ, salue à son tour le souverain pontife argentin. Troisième témoignage, Philippe, 33 ans, portugais, volontaire paroissial. Saint-Père, l'expérience des JMJ de Lisbonne 2023 a dépassé toutes les attentes que nous pouvions avoir par rapport à la rencontre. Pouvoir accueillir des jeunes du monde entier avec lesquels nous partageons notre foi est un motif de gratitude envers le Seigneur pour cette opportunité unique. Ce furent des mois de grande préoccupation, de grande inquiétude, mais de joie encore plus grande d'être à son service, pour faire des jeunes d'aujourd'hui des jeunes d'action, de service. Résumer l'expérience des JMJ est une tâche impossible. Et cela pour une raison. Parce que, bien qu'il s'agisse d'un rassemblement de milliers de jeunes célébrant leur foi, il s'agit avant tout d'une rencontre très personnelle avec le Seigneur. Et c'est de la combinaison de ces deux aspects que naît l'expérience de chaque volontaire et de chaque pèlerin. Pour moi, ce fut une expérience de véritable communauté ecclésiale, où j'ai senti à chaque instant la foi vivante qui constitue l'Église du Christ et l'amour que l'on ressentait et que l'on ressent encore aujourd'hui en chaque personne ici présente. Si je devais choisir un moment, ce serait celui où, en compagnie de millions de jeunes du monde entier et avec le Saint-Père, nous nous prosternons devant Jésus dans l'Eucharistie. Ce qui est encore plus gratifiant, c'est d'être dans mon pays, dans ma ville, de vivre une expérience unique de foi et de communion. Jésus a été une présence constante tout au long de la préparation des JMJ. Inévitablement, je l'ai reconnu dans chaque personne rencontrée, qu'elle soit de ma paroisse ou non. Comme nous l'enseigne Sainte Thérèse de Calcutta, le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service, et le fruit du service est la paix. Et par conséquent, tous les volontaires de la paroisse d'Algueiro, même Martins et Merches, et nous sommes nombreux, Saint-Père, plus de 300 volontaires ont travaillé pour rendre cette paix possible, afin que le monde puisse voir que la jeunesse n'est pas séparée de la foi. Au contraire, nombreux sont les jeunes qui reconnaissent en Jésus l'unique porteur de paix. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, servir le Christ pour que le monde atteigne la paix. Mais ce n'est pas seulement dans les volontaires que j'ai reconnu Jésus. Cette année, toute la paroisse s'est impliquée dans la préparation de la journée. Les anciens ont beaucoup prié pour que le travail des volontaires se déroule le mieux possible. Ils ont aussi prié pour tous les jeunes du monde qui iront au Portugal. Les enfants de la catéchèse, quant à eux, ont appris à connaître les JMJ. Ils ont participé à la collecte de biens pour le séjour des pèlerins et rêvent encore plus du jour où ils pourront participer aux JMJ à l'avenir. C'est le défi des JMJ. Ne pas laisser le travail accompli s'arrêter à cette semaine que nous vivons, mais le porter vers l'avenir dans chacune de nos paroisses. Je crois que chacun à sa manière, nous avons tous des groupes ou des actions volontaires qui devraient servir d'exemple pour nous qui nous proposons de servir dans ces JMJ. Dans ma paroisse, il y a beaucoup de bons exemples de volontariat à suivre. Des paroissiens qui accompagnent les familles, non seulement matériellement, mais spirituellement, à la collecte de biens, sans oublier les visiteurs à domicile. Ce sont de vrais bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année. J'ai la grâce d'appartenir à une communauté très vivante dont on a dit un jour qu'elle était la paroisse qui comptait le plus grand nombre de paroissiens en Europe. De nombreux projets ont déjà vu le jour et se poursuivent encore aujourd'hui, ainsi que beaucoup d'autres qui ont naturellement pris fin pour laisser la place à d'autres. C'est une paroisse vivante. Mais c'est aussi un défi, rejoindre tout le monde. Il y a des gens qui vont dans les endroits les plus reculés pour que les habitants aient quelqu'un avec qui prier.
Avec trois groupes de jeunes et un groupe de scouts, notre paroisse a des gens pour servir le Christ et les autres. Le défi reste entier. Tous ces bénévoles prient pour vous, Saint-Père. Veuillez également vous souvenir de chacun d'entre nous dans vos prières, afin que nous puissions continuer à être des jeunes avec le désir de servir. Voilà pour Philippe, 33 ans, volontaire paroissial portugais au JMJ de Lisbonne. Après ces trois témoignages de jeunes volontaires, place aux paroles du cardinal Clemente, patriarche de Lisbonne. Au nom de tous, Saint-Père, au nom de tous, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence à ces Journées mondiales de la jeunesse et pour tout ce que vous nous avez offert ces jours-ci avec des paroles et des gestes que nous n'oublierons jamais. Ainsi s'achève un programme riche en moments inoubliables. Et il se termine par cette rencontre avec les volontaires qui ont permis que tout se passe de la meilleure façon possible et avec les meilleurs résultats. Certains d'entre eux se sont engagés depuis plusieurs années, d'autres plus récemment, mais tous sont animés d'un enthousiasme contagieux. Trabalharam alguns durante anos, outros nos tempos mais chegados, mas todos com entusiasmo contagiante. Un enthousiasme contagieux qui leur a permis de surmonter leur fatigue naturelle et les défis qui se posaient à eux. Ils sont la preuve vivante que les possibilités ont la dimension du cœur et deviennent réalité lorsque nous ne cessons pas d'avancer sur le chemin de la bonté et de l'engagement à être disponible pour tous. Je crois aussi, Saint-Père, que les volontaires ici présents, portugais et internationaux, sont le visage le plus expressif d'une jeunesse sur laquelle l'Église et le monde aussi peuvent compter pour rajeunir, dans une communion et une solidarité redoublées. Nous pouvons les appeler la génération JMJ 2023. Ils resteront sûrement marqués par ce qu'ils ont fait, parce que le bien réalisé toujours rend meilleur ceux qui le font. À tous les volontaires, mes remerciements les plus chaleureux. Mais ces remerciements vont aussi à votre sainteté, car toutes les journées, à commencer par Saint Jean-Paul II, ont eu pour protagoniste principal le pape. Dès le premier instant, nous avons pu compter sur vos encouragements, vos suggestions et votre enthousiasme contagieux. Vous nous avez toujours dit que le pape serait avec nous, mais nous nous sentons aussi toujours avec le Saint-Père, dans une communion de désirs et d'intentions. Merci beaucoup, Saint-Père, pour cette journée qui a été la vôtre d'une manière très spéciale, à une époque qui manque d'événements similaires, qui rassemble les jeunes du monde entier autour d'objectifs indispensables, comme disciples du Christ, et frères et sœurs de tous les hommes et de toutes les femmes dans cette maison commune, qui doit l'être de plus en plus, par tous et pour nous tous. La générosité des volontaires qui ont rendu possible ces Journées mondiales de la jeunesse est un signe que cela peut vraiment arriver. C'est une prophétie du monde à construire et votre présence, Saint-Père, nous a renforcés dans la certitude qu'il en sera ainsi. Merci beaucoup, Saint-Père. Parole du patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clemente, que vous pourrez écouter dans le journal de Radio Vatican à 8h30 demain matin, lundi, à l'occasion d'une interview spéciale. À présent, nous allons entendre le pape François qui va s'adresser aux milliers de volontaires présents. 25 000 à peu près sur cette promenade maritime de Lisbonne. Queridos amigos,
Bom dia e obrigado. Chers amis, bonjour et merci, a dit le pape en portugais. Gracias al patriarca de Lisboa. Il reprend en espagnol. Merci au patriarche de Lisbonne pour ses paroles, à Monseigneur Aguiar et à vous tous pour avoir travaillé si dur et si bien. Vous avez rendu possible ces journées inoubliables. Vous avez peiné pendant des mois, de manière cachée, sans bruit et loin des projecteurs, pour que nous puissions tous nous trouver ici à chanter ensemble. Jésus vit et ne nous laisse pas seuls, nous ne cesserons plus d'aimer. En plus, vous avez été un exemple parce que vous avez fait équipe en travaillant ensemble. Mais votre travail a été plus qu'un travail, il a été un service. Or, le service, nous l'avons vu chez la Vierge Marie, qui se leva et partit en hâte chez Élisabeth, sentant l'urgence de partager la joie dans le service à sa parente âgée. Porter la joie dans le service. La joie est le service. Pensons à Zacchée, qui descend en hâte de l'arbre pour rencontrer Jésus et l'accueillir dans sa maison. Pensons aux femmes et aux disciples qui, à Pâques, courent de la tombe au Cénacle pour annoncer que le Christ est ressuscité. Celui qui aime ne reste pas les bras croisés, mais hâte le pas vers les autres. Celui qui aime court pour aller servir. Et vous, combien vous avez couru ces mois et ces jours-ci? Je peux voir le final, nomás, en estos días. Je vous ai vu ces jours-ci répondre à 1000 besoins, parfois avec le visage marqué par la fatigue, d'autres fois un peu submergé par les urgences du moment. Mais toujours avec le sourire et les yeux lumineux. Toujours avec la joie et pour cela, merci. Vous avez fait de grandes choses dans les plus petits gestes, comme la bouteille d'eau offerte à un inconnu. Vous avez beaucoup couru, mais pas de la course frénétique et sans but, qui est parfois celle de notre monde. Non, ce type de course ne conduit pas à la rencontre avec les autres. Et ustedes vinieron a Lisboa para servir y no para ser servidos. Vous êtes venu à Lisbonne pour servir et non pour être servi. Y ahora et maintenant, je voudrais être votre amplificateur pour ce que vous nous avez dit dans vos beaux témoignages, le témoignage de Chiara, Francisco et Felipe. Tous les trois, vous nous avez parlé d'une rencontre spéciale avec Jésus. Vous nous avez rappelé que la plus belle rencontre, le moteur de toutes les autres, celle qui fait avancer la vie, est avec lui. C'est la rencontre la plus importante de notre vie. Renouveler chaque jour la rencontre personnelle avec Jésus est le cœur de la vie chrétienne. La renouveler dans notre cœur, pas seulement dans la tête. Et on fait l'expérience qu'un petit oui à Jésus peut changer la vie, mais également les oui dits aux autres font du bien. Merci pour cela, pour avoir dit oui.
Toi, Francisco, tu as dit que tu as trouvé ici quelque chose dont tu avais besoin et que tu ne cherchais même pas. En marchant, en travaillant et en priant avec les autres, tu as compris que tu ne pouvais pas te laisser emprisonner par le désordre, par les lits défaits du passé, ni vivre le cœur tourmenté par des sentiments d'inachèvement, mais qu'avec l'aide de Jésus et des frères, t'a été offerte l'opportunité de remettre en ordre la pièce de ta vie. Ces journées mondiales de la jeunesse servent beaucoup à réordonner nos vies. Para poner en orden nuestra vida no sirven las cosas, no sirven las distracciones, no sirve el dinero. Pour mettre de l'ordre dans sa vie, on n'a pas besoin de choses, de distractions et d'argent. Il faut dilater le cœur, l'élargir en l'ouvrant à l'amour. Dilater le cœur, dilater, ouvrez vos cœurs. Finalmente, tu, Felipe. Et enfin, toi, Philippe, parmi les nombreuses belles choses que tu as partagées, tu en as dit une que je veux souligner. Tu as vécu ici une double rencontre avec Jésus et avec les autres. C'est très important. La rencontre avec Jésus est un moment personnel et unique, que l'on peut décrire et raconter seulement jusqu'à un certain point. Mais elle arrive toujours grâce à un chemin fait avec les autres, fait grâce à l'intercession des autres. Mes amis, à la fin, j'aimerais vous laisser une image. Comme beaucoup d'entre vous le savent, au nord de Lisbonne, il y a une localité, Nazaré, où l'on peut admirer des vagues atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur et qui sont une attraction mondiale, surtout pour les surfeurs qui les affrontent. Ces jours-ci, vous aussi, vous avez fait face à une véritable vague, non pas d'eau, mais de jeunes qui se sont déversés dans cette ville. Mais avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de générosité et en vous soutenant mutuellement, vous avez surfé sur cette grande vague. Vous avez défié cette grande ola. Fíjense que sont valientes. Fíjense. Merci. Obrigado. Quiero decirles que sigan así. Síganse manteniendo en las olas del amor, en las olas de la caridad. Continuez ainsi, continuez à surfer sur les vagues de la charité. Soyez des surfeurs de l'amour. Des JMJ soit la première des nombreuses vagues de bien. Chaque fois que vous serez porté plus haut, plus proche de Dieu, cela vous permettra de voir votre route dans une meilleure perspective. Merci à tous. Bonne route. Et n'oubliez pas, continuez à prier pour moi. Voilà le discours du Saint-Père aux 25 000 volontaires provenant de 150 pays différents au JMJ. Le pape les a exhortés à être des surfeurs de l'amour et les a remerciés pour ce service indissociable de la joie. El gesto misionero consistió en una visita a instituciones por parte de grupos de voluntarios para dar a conocer la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Los voluntarios de la JMJ visitaron alrededor de 600 instituciones, que en total representa a más de 48 mil personas.
Con el gesto misionero hemos querido elevar la JMJ a todos aquellos que, por su condición y vulnerabilidad, no han podido participar personalmente en esta jornada. We visited hospitals, prisons, nursing homes. Quelques volontaires remercient encore le pape et accomplissent un geste missionnaire. That bracelet with the name of the visited person was in the wrist of our volunteers for the week of the World Youth Day. Santo Padre, con este gesto hicimos lo que pediste a nosotros en esta jornada mundial de la juventud, de lembrar que no olvidar que tenemos un nombre que Dios llama, de saber que con ese nombre queremos cambiar el mundo sin miedos y saber que para cambiar el mundo tenemos que tener raíces. Porque para Dios y para el Papa cuentan todos. Avant de clore la rencontre, la prière du Notre Père sera récitée et le pape François accordera sa bénédiction à tous ces jeunes. La volontaire sur l'estrade au pied du Saint-Père lui donne un des bracelets des volontaires au JMJ en guise de symbole de remerciement. Le pape François se retrouve serti de ce bracelet en papier des volontaires qui lui expriment sa gratitude et la volontaire qui lui fait un câlin. Le pape très heureux. Se ve que tienen buena voz. Recemos juntos, en comunión con toda la iglesia, oremos como Señor nos enseñó. Pai nosso, que estás en el Notre Père. Santificado sea. Venga a nosotros, su reino. Sea parte, así en la tierra como sea. O pão nosso, que es hoy. O Senhor esteja convosco. Bendito sea el nombre del Señor. Con nuestro auxilio, ven del Señor. Abençoe vos, Dios Todopoderoso, Pai, Filho, Espíritu Santo. Y ahora, a subirse a la ola. Le pape François s'apprête à quitter l'estrade après cette adresse aux 25 000 volontaires des JMJ. Un discours dans lequel
Le pape François a rappelé combien la joie est indissociable du service et que ces JMJ aident à réordonner la pièce de la vie. Voilà que l'hymne des JMJ est entonné. Le pape François qui vivait là ce soir sa dernière grande étape de ce 42e voyage apostolique au Portugal. Le pape va à présent, pour la suite de son programme, se rendre à la base aérienne de Figo Maduro, où aura lieu la cérémonie de congé du Portugal. Le pape y sera accueilli par le président de la République portugaise pour les derniers adieux, les derniers au revoir officiels. Avant un décollage à bord de l'avion pontifical, un décollage de Lisbonne en direction de Rome, prévu à 19h15, et un atterrissage du souverain pontife à Rome pour 22h15, 3 heures plus tard, 22h15, heure de Rome. À bord, le Saint-Père doit donner sa traditionnelle conférence de presse aux près de 80 journalistes qui seront installés aux côtés du Saint-Père dans l'avion. Une conférence de presse dont l'intégralité sera consultée ce soir sur vaticannews.va en français. Et le pape clôt ainsi sa dernière journée et clôt ainsi les 37e journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne avec un cap. Il laisse un cap, c'est-à-dire 2025 à Rome, le jubilé des jeunes. Le pape a donné rendez-vous à tous les jeunes catholiques du monde entier ce matin lors de la messe de clôture. Rome 2025 et puis le retour des JMJ en Asie avec Séoul, la capitale sud-coréenne qui accueillera l'édition de 2027 de la pointe occidentale de l'Europe à l'extrême-orient. Tel est le chemin que va emprunter la croix des JMJ. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.